Alors, qu'est-ce qu'on trouve ici? Poison ténèbres, ça doit être le moufouette. Et ouais. Allez, on va le capturer pour le principe. Je commence à être short niveau Pokéball. Mais après, il reste encore les autres Pokémon, enfin Pokéball, je veux dire. Mais quand même, il va falloir que j'en rachète. Pépite. Oh, c'est un 3 étoiles, plante acier. Je vais faire une sauvegarde avant. Waouh. Donc ça, j'ai découvert ça avec Huguenot hier soir. Quand c'est des raids 3 étoiles, quand ils arrivent à la moitié de leur barre de vie, les Pokémon Dynamax font un bouclier qui vient se mettre en place. Et pour pouvoir leur faire des dégâts à nouveau, il faut d'abord péter le bouclier. Et après, on pourra à nouveau attaquer les points de vie.
Bon. Maintenant, il faut espérer que je l'attrape. Coucou indigeste. Bien. Mon premier raid 3 étoiles réussi et le Pokémon s'est pas enfui. Enfin, c'est mon deuxième raid 3 étoiles, mais c'est mon premier raid 3 étoiles réussi où le Pokémon ne s'échappe pas de la Pokéball. Il fissure la roche avec ses épines pour ensuite absorber les nutriments qui s'y trouvent grâce à l'extrémité de ses tentacules. Ouais, tu l'as pas celui-là? Croisé une fois et tu le vois plus. Ah, c'est dommage. Oh, c'est une femelle en plus. Je vais faire un vive attaque. De quoi il va en rester plein mais comme ça avec des malamandes, enfin des trucs que je suis en train de capturer. Un Tritox, voilà. Pour la météo, c'est-à-dire. Moi je comprends rien ce que vous écrivez dans le chat. C'est pas clair! Il fait chauffer le liquide qu'il sécrète dans ses poches à venin avec la flamme de sa queue pour créer un gaz toxique. La météo des terres sauvages, elle reste comme ça pour toujours. Elle change chaque jour IRL. Pas d'objet caché. Ah si, là j'ai mis briller un truc.
Comment elle cherche la merde? Putain, elle est trop forte d'un niveau, sérieux. C'est de l'arnaque. Tu l'as pas? Bah voilà, elle est là. Et elle est morte parce qu'elle était trop forte d'un niveau. Alors là, pour aller vers la ville, c'est par là. Du coup, je vais d'abord aller voir en bas ce qu'il y a. Oh non, j'ai roulé sur quelque chose. Des baïguanes qui cherchent la merde. Cherche la merde, cherche la merde. Toi, je t'ai déjà. Cherche la merde. Ah, par contre, il a l'air très fort, c'est dommage. Oh mon dieu, la gueule du monstre. Youhou. Cool, je l'ai pas. Ah bah non, il est trop fort. Tant pis. La déception. J'imagine que le Kikli aussi sera trop fort pour moi. Où est-ce qu'ils sont? Est-ce que je les ai envoyés en mission par hasard, mes deux orchides? Ah non, ils sont là. Mais non, je veux pas lui donner. Ah, je peux pas l'utiliser. Bon bah je vais le prendre dans mon équipe vite fait. Hein?
Osef Dutri. Jolyflore, le best Pokémon ever. Tellement mignon. J'avais une peluche de Jolyflore que j'aimais tellement et je l'ai perdue en déménageant. Jolyflore, je l'aime. Jolyflore. Ce Pokémon vit en ombre dans les tropiques. Quand il danse, ses pétales flottent les uns contre les autres et émettent un son mélodieux. Jolyflore, best Pokémon. Bon, en vrai, je sais que je pourrais capturer un Rafflesia. En utilisant. Enfin, en attendant un petit peu, il y a le Rafflesia, mais. Ah, quoique la pierre plante, je sais pas. Non, je vais la garder. Je vais la garder et. Et je verrai pour faire. Évoluer Ortide en Rafflesia. Enfin, je verrai pour capturer l'évolution d'Ortide à Rafflesia. Quand j'aurai suffisamment de badges. Des baguiguanes qui cherchent la merde. Darakai. Pierre Lune. Moi j'en suis à 149. 145. Et là il y a plein de Pokémon que je peux pas capturer. Parce qu'ils sont trop forts. Vache. Oh, jolie flore. Oh. Meilleur Pokémon. Bah oui. Bah oui, t'es beau. Trois étoiles, plante assis. T'as encore Granipo, mais je m'en fous, c'est un 3 étoiles, je veux le capturer. Ah non, c'est pas Granipo. Raconte de la merde. C'est Grindur. Bah c'est l'évolution de celui que j'ai capturé tout à l'heure. Enfin la pré-évolution. Oui, Grimmou, je l'avais renommé comme ça dans ma partie. Sur. Je crois que c'était sur X et Y que je m'amusais à donner que des noms à la con. Genre le Pokémon Tic, je l'avais appelé Tac, ou inverse. Grindur, je l'avais appelé Grimmou. Je faisais que des trucs à la con comme ça. Magimix, c'est quoi en échange magique? Ah, on Gigamax.
Bah, si tu n'utilises pas les bons termes aussi, je peux pas suivre, hein. C'est compliqué tout ça. Gigamax, c'est juste certains Pokémon qui peuvent l'être. Je croyais qu'ils pouvaient tous l'être. Et le Dynamax, c'est les raids. C'est pour ça que tu dis Magimix. Ah, ben maintenant je saurais. Et c'est pas évident dit comme ça, hein. Ah, il était Gigamax, c'est pour ça qu'il avait une allure précise. Donc ils peuvent tous être Dynamaxés, mais il y en a certains seulement qui ont une forme Dynamax. Enfin Gigamax. Ils peuvent tous être Dima, mais certains sont Giga. Voilà. Bien. Il se protège en jetant ses épines, mais il lui faut beaucoup d'entraînement pour réussir à tirer dans une direction précise. Oui, et je vais faire comme sur ma partie de Pokémon, grain mou, parce que c'est ce que je l'avais appelé. Le Giga Meowth, je l'ai pas testé, mais je sais à quoi il ressemble, donc du coup c'est pour ça que je l'ai pas testé tout de suite. Il a une bonne tronche. Oh, un mec cogneur. Je vais pas chercher la merde, hein. Oh, un monsieur. Bonjour. Oui. Pokémon nous apprend à toujours dire oui aux étrangers. C'est une bonne leçon de vie. Mais je t'ai déjà. T'es pas très joli. Et à accepter ce qu'il nous donne, tout à fait. Genre les bonbons, ouais. Encore. Question Yuganon et Indigeste. Là, vous avez le droit de spoiler, mais en répondant juste oui ou non. Est-ce que il y a un endroit pour acheter des pierres? Genre les pierres feu, pierres feuilles, pierres soleil, etc. Je vais bannir un dièse si tu réponds pas correctement à la question. Attention, je peux retirer l'épée. Aucune idée.
Pas vu. Du coup, j'ai peut-être gaspillé ma pierre soleil en l'utilisant sur Jolifleur, vu qu'il y avait un Jolifleur sauvage. Chier. Ça va me travailler, ça. Tiens, prends une paquet poupée. Moi, j'ai pas réussi à retrouver Spectrum. Je l'avais trouvé une fois et après, je l'ai pas retrouvé. Et c'est con parce qu'il me le faut pour ma quête de Pokédex. Donc, du coup, je suis un peu triste. En tout cas, les terres sauvages, moi j'aime beaucoup, hein. Chinchidou qui brille! Qu'est-ce que c'est que ce Pokémon? Ça doit être l'évolution finale de Larvadar. Le mec a amené dans le raid un Pokémon qui lui obéit pas. Ah. C'est beau. Ouais, il y a la pré-évolution ici. Donc ouais, ça doit être la forme finale de Larvadar, ça. Il est tout petit!
Ah, je peux pas y aller en bas. Trop bien. Bah tiens, c'est pia top. C'est pia top qui est tellement plus mignon que c'est pia atroce. Je vais tenter une vive attaque. Ok. Faut te laisser capturer, mon coco. Merci. Il fait clignoter son corps lumineux en tournoyant. Il communique avec ses congénères à l'aide de signaux de lumière. Je sais plus si je l'ai déjà la citrouille ou pas. Pitrouille. Est-ce que je l'ai? Oui, je l'ai. Mais je vais le recapturer. Tu viens de comprendre le jeu de mots de pierre au but? C'est un tir au but enflammé. Ah mais oui, je suis bête. Je me demandais pourquoi ça lui a pas fait mal. J'étais complètement perdu dans mes pensées. Mais oui, c'est un spectre. Donc oui, autant que je lance la Pokéball tout de suite. Est-ce que je peux être bête des fois? Putain, tu utilises Halloween quoi. Tu utilises carrément la fête. Wouah, c'est trop stylé. Je
Bon, et maintenant, je suis allé trop loin, il faut que je le capture. J'ai pas le choix, je peux pas abandonner maintenant. Mais nique tes citrouilles! Merci. Tu fais dodo. T'as mis des nouilles, sérieusement. Ah zut, le feu. Énorme. Trois étoiles. J'ai mis la max de baies. Je crois que c'est quand tu mets masse de baies que du coup tu fais un gros curry. Et tout à l'heure j'ai fait un curry à la crème. Et du coup sur le curry des Pokémon il y avait un Charmilly. J'ai trouvé ça trop mignon. Ah, je me disais bien que j'avais vu un truc clignoter. Ah bah tiens, tic et tac.
Je sais pas, peut-être. Qu'est-ce qu'il y a comme. Peut-être la précision. Peut-être augmenter la précision, mais je suis pas sûre. Mais sinon, ouais, c'est en passant par les objets. Ça, les objets, ça c'est un truc sûr. Ces deux rouages sont plus soudés que des jumeaux. Si on essaie de les combiner à d'autres rouages, ils ne s'entendent pas très bien. Oups. Mais oui, t'es mignon. Ouais, puis t'as certainement des capacités aussi qui ont des plus grosses chances de critique. Et je sais que... l'affection du Pokémon peut aussi jouer sur les coups critiques. Par exemple, des fois c'est écrit machin entend vos encouragements et inflige un coup critique. Alors après, je parle pas de machin, ton machin, hein. Je sais pas s'il inflige des coups critiques, j'espère pas parce que ça serait bobo, mais. Il fait une sieste critique. Bon, je pense que j'ai fait tout le tour des Nouvelles Terres, donc hop, en vélo. Je regarde s'il n'y a pas un objet qui traîne. Non, en vélo et hop, la nouvelle ville, enfin! Oh, qui a une entrée en forme de bouche de dragon, la classe. Que fumer? Lorsque la queue d'un Ramolos tombe, elle repose tout de suite. Mais c'est horrible, c'est une queue de Ramolos! Oui, ça varie tous les jours, ça. Un os à moelle. Bonjour. Vous avez bien le badge plante, le badge eau et le badge feu, parfait! Vous avez déjà vaincu 3 champions en comptant celui de Moteur B. Continuez comme ça. Te voilà, ne te fatigue pas à chercher Nabil, mais ta vie qui ne viendra pas. Je ne lui jette pas la pierre, je ferai pareil après une telle humiliation. Comment peut-il regarder le maître en face maintenant? Je pense qu'il va déclarer forfait. Vous, là, admirez un peu ces badges dûment obtenus. C'est parfait, Challenger Travis, vous possédez bien les badges nécessaires. C'est pas tout ça, mais j'ai un entretien avec le président. Tu m'excuseras. Connard. J'espère que tu meurs. La vache. Elle en impose cette ville. La boutique de vêtements, le café, la boutique de coiffeur. Yes.
Le président qui est à nouveau en caleçon. C'est quoi les PCO? Des points de combat. C'est des points de combat? On obtient ça comment? En faisant des combats en ligne? Faut avoir fini le jeu. Ah, ok. Tu peux pas en avoir avant. Ok. J'hésite à vendre le fossile, ça me paraît bizarre qu'on puisse vendre un fossile. D'habitude, les fossiles, on les fait. On leur redonne vie, quoi. Ça me fait bizarre. Je vais vendre quelques pommes juteuses. Ça rapporte les pommes juteuses. Panique en cuisine. Pot-au-feu. Recherche un commis de cuisine. Doit être à l'aise avec le feu. 6 Pokémon max. Vache. Alors. Feu. Toi, t'es feu. On est bien d'accord? Oui. Toi. J'ai pas tant de Pokémon feu que ça en fait. Lui, je crois qu'il est double type feu, donc ça passe. Oui. Pitrouille, il est juste spectre et plante, donc non. Ah, il y a lui. Pourquoi je mets pas les infos? Ah oui! Parce que je savais pas, j'avais pas vu. Tout simplement. Bah c'est tout ma foi. Je vais regarder en passant sur tous les Pokémon, mais je crois que c'est tout. Mais il n'y a pas... Ah si, la boule de charbon, là. Ah bah non, il est que roche, lui, mince. Je croyais qu'il était roche et feu aussi.
Ah, il y a Gripad, je l'ai même pas vu tellement il est petit. Ah, j'ai déjà pris. Ah! Ah bah oui, Tritox! Et bah voilà! Il y a un mec qui t'a paralysé, mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? C'est quoi l'intérêt, sérieusement? J'ai trouvé un combat. Mais il est niveau 2. Oh merde. Mais non, pauvre monsieur, il est niveau 2. Incroyable! Il est super fort! Ouah, j'ai gagné un point d'XP, franchement! Ça va être grave le peine! Je suis désolée, monsieur, mais putain, t'es balèze! Pas merci, c'est gentil. Pokémon capacité objet, c'est le trio de la victoire assurée, j'avoue. Une belle démonstration de force par notre collègue Michel. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme nouveau truc par ici? Oh, avec les ectoplasmas trop stylés. C'est rigolo.
Allez, je vais changer, je vais prendre la veste de survêt de feu. C'est pas vraiment noir, hein, c'est plutôt gris quand même. Ouah, elle laisse son Pokémon choisir. C'est l'heure du goûter café. Combat. Le café combat. La cup canaille, un charmini. Oh, Lucien est tout rose, tout rose. Aïe. C'est bien. T'es amoureux mais tu frappes. Ça marche que dans Pokémon cette phrase. Rebond.
Le lanceur bondit très haut et plonge sur l'ennemi au second tour peut aussi le paralyser. Ouais, mais ça j'aime pas trop. Déjà, il n'y en a que 5 et en plus, il y a 85% de précision. Une baie en sucre. Ça doit être pour avoir une autre version de Crimi. Enfin Charmini. Faudrait que tous les Pokémon aient trempette, oui.